In Berlin, and I would speak French. I'm very, je suis très heureuse de pouvoir parler français. Avant de commencer mon intervention, je voudrais dire à tous ceux qui regardent ce streaming que la situation dans laquelle on est n'est pas du tout normale. Les collègues viennent de faire l'introduction, donnent l'impression que tout est très naturel, mais en réalité, rien n'est naturel et la situation dans laquelle nous vivons, le monde entier en Europe, est très effrayante. C'est heureux que nous réussissions à nous réunir de manière électronique ainsi, mais en réalité, c'est très inconfortable et je souhaite que nous sortions tous ensemble vivants de cette situation terrible. Je commence mon intervention qui s'intitule Amnésie, 40 ans de débat sur le retour des biens culturels dans les musées européens, 1878-2019. Lorsque Félix Winsart et moi, nous avons remis notre rapport à Emmanuel Macron en novembre 2018, nous avions fait senti, vi sento qui dentro. È difficile di parlare se vi sento. Nous avons fait, Félix Winsart et moi, des expériences très fortes pendant le travail pour ce rapport, des expériences qui nous ont menés d'une part en Afrique, et je vous montre ici un jour où nous étions un jeudi dans la République du Bénin, au palais d'Abomey, au nord de Cotonou, où nous avons vu ce palais détruit en 1892 par la puissance coloniale française lors d'une expédition militaire. Nous avons vu ce palais superbe, immense, mais vide. Et dès le lendemain, avec Felwine, nous avons fait le voyage de nuit, comme on le fait pour aller d'Afrique en Europe, et nous nous sommes retrouvés au musée du Quai Branly, à Paris, où nous avons vu le contenu de ce palais. En fait, ainsi, nous avons fait une expérience physique très troublante, celle de ressentir l'absence des œuvres d'art dans leur contexte d'origine, dans la République du Bénin, et leur présence à 5 000 km de là, à Paris. Et cette expérience de la présence et de l'absence des œuvres en quelques heures a été extrêmement importante. C'était une expérience existentielle, pratiquement, sur l'idée de patrimoine déplacé. Mais nous avons fait un autre type d'expérience très importante, une expérience historique, en travaillant dans les archives et en découvrant dans ces archives que le travail que nous étions en train de faire, ce rapport que nous avions la mission d'écrire, tous les débats qu'il a suscités avaient déjà eu lieu. Toute cette discussion avait déjà eu lieu dans les années 70, à la fin des années 70, quand nous étions de petits enfants. Et en faisant cette découverte, en constatant qu'un rapport avait déjà été commandité en France au début des années 80, nous avons été étonnés de voir qu'on avait complètement oublié cette première vague de discussion. Pour ce qui me concerne, après la remise du rapport en novembre 2018, et comme je vis à Berlin, j'ai continué mon travail dans les archives pour voir si cette présence du sujet qu'on avait découverte dans les archives française était internationale. Et j'ai constaté, en Allemagne par exemple, que je trouvais des quantités considérables de documents d'archives sur ces questions, tant dans des archives de musées, des archives de presse, que des archives politiques. Vous voyez ici un dossier des archives politiques du ministère des Affaires étrangères à Berlin, avec un petit article collé tout au début, dit Dritte Welt will Kunst zurück, le tiers-monde veut récupérer ses œuvres, et vous voyez ici la date de ce dossier, novembre 1979. En fait, dans ce débat sur les restitutions qui nous anime et nous agite et nous inquiète depuis 2 ou 3 ans, depuis les années 2017, 2018, 2019 et jusqu'à aujourd'hui, en 2020, dans toute cette histoire, on constate qu'il y a une grande analogie avec le débat sur le climat. Le débat sur le climat, comme vous le savez, sur le changement climatique, a déjà eu lieu aussi dans les années 70. Et récemment,
le journaliste américain Rich a écrit l'histoire de ce débat. Il a reconstitué les raisons pour lesquelles, dans les années 70, les gouvernements n'avaient pas réussi à faire le pas pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il écrit qu'on a eu la chance, dans les années 70, de changer le cours du climat, mais que cette chance d'agir politiquement n'a pas été saisie. Et je constate, nous avons constaté que dans le cas des restitutions d'œuvres d'art à l'Afrique, cette chance a déjà eu lieu, le débat a déjà eu lieu, et on était dans les années 80 à deux doigts de prendre les bonnes décisions. Mon intervention s'articule en trois volets qui s'appellent les médias et la mémoire, force politique et manœuvre défensive, en allemand Abwehrmanöver. C'est un terme militaire. Je commence par les médias. Si on se plonge dans les archives médiatiques, on constate qu'au plus tard, en 1974, la presse internationale parle de ces questions de restitution. Je vous montre ici une page du Times de Londres de la fin de l'année 1974 qui indique que le gouvernement britannique a refusé une demande du Ghana. Le Ghana a été, avec le Zaïre et le Nigeria, le troisième pays qui a demandé des restitutions de manière très énergique dans les années 1970. Si on continue et qu'on change de pays, pour constater s'il s'est bien agi d'un débat européen, on voit qu'en France, par exemple, à la télévision française, c'est-à-dire devant des millions de téléspectateurs, en 1981, le journaliste vedette de l'époque, la star, Roger Jiquel, dit à tout le public français qu'il faut faire des restitutions. Je vous passe un court extrait ici d'un journal de 20 heures, donc des informations du soir que tout le monde écoute à cette époque-là, où Roger Jiquel, le journaliste, dit, après un reportage sur l'UNESCO, si on veut préserver les identités culturelles, eh bien il faut préserver ce patrimoine artistique et donc quelquefois le restituer, il faut bien se plier à ça. Bonne soirée à tous, au nom de toute l'équipe du TF1. Dernier journal, Jacques Poux, 23h30. Vous voyez qu'ici, on est en 1981, un journaliste dit dans les mass médias, comme on les appelle à l'époque, qu'il faut bien se plier à la restitution. Il considère qu'il faut restituer les œuvres d'art aux pays qui les réclament dans le tiers-monde. Si on veut préserver. Si on continue notre tour d'Europe, on constate que de la même manière, dans les années 70, vu du point de vue américain, et vous voyez ici une page d'un journal américain, le débat est considéré comme un débat allemand. Alors, on a vu qu'il s'agissait d'un débat britannique, le Times en parlait, que la France en parle, et les Américains, quand ils regardent l'Europe, considèrent que tout ça est un débat allemand. Vous voyez cet article ici, paru en 1976, intitulé « Un débat allemand, faut-il que l'art soit rendu aux anciennes colonies ?» Et si on creuse les archives allemandes, si la PowerPoint veut bien continuer de fonctionner, ce qui n'est pas le cas, voilà, on voit qu'en effet, dans les années 70, la presse allemande insiste beaucoup sur le fait que la question des restitutions est centrale. Je vous montre ici un article de 1979 du grand journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung qui commence par ces mots. Depuis 6 ans, il y a un fantôme, un spectre qui traverse l'Europe et les musées qu'on appelle la restitution. Seit etwa 6 Jahren geht ein Gespenst in europäischen Museen, kurz Restitution. Vous voyez qu'on est en 1979 et qu'à cette époque-là, la Frankfurter Allgemeine, qui cite Marx ici, avec le spectre du communisme chez Marx qui hante l'Europe, ici c'est le spectre des restitutions, la Frankfurter Allgemeine nous dit que ce débat marche déjà depuis 6 ans ici, dans les musées européens. Et ensuite j'arrêterai les exemples de presse, mais si vous prenez la télévision allemande, vous voyez aussi que le sujet a été traité dans de très longues émissions, dans de très longs panels, ici sur ZDF, la deuxième télévision publique allemande, où en 1984 a eu lieu
par exemple, et ce n'est qu'un débat parmi d'autres, un très grand débat sur ces questions. Je vous passe un court extrait pour vous montrer que, à l'époque déjà, c'est-à-dire il y a 40 ans, on entendait des voix de personnes nées en Afrique, d'Africains de la diaspora, comme cet ethnologue, M. Diallo, qui venait, lui, de Guinée, si je ne me trompe pas, et qui était professeur à l'université de Francfort à l'époque. Vous allez voir qu'il tient une parole très claire à la télévision publique allemande, et on est il y a 40 ans. Je passe un extrait. Diese Ausbeutung, die war nicht nur materielle Art, die war auch kulturelle Art. Durch die nationale Bewegungen sind wir dazu gekommen, unsere Kultur wieder zu entdecken, der man uns sozusagen bis dahin enthalten hatte, und zwar auf zweierlei Ebene. Einmal auf der theoretischen Ebene und andermal auf der konkreten, indem man uns das weggenommen hat. Und ich denke, man sollte einen Weg finden, in dem soweit von den Ländern verlangt wird, die Objekte, die für unsere weitere Entwicklung, kulturelle Entwicklung wichtig sind, zurückgegeben werden. Vous voyez à ces interventions que le discours que nous menons aujourd'hui, ce que nous disons aujourd'hui en 2020, qu'il est très important pour des peuples, pour des cultures, pour des régions, pour des pays, d'être en contact avec leur propre patrimoine matériel, que tout cela a déjà été dit. Et ce qui est très frappant dans ces débats, c'est de constater que ce que nous croyons être nouveau, notre génération, Elwin Sarr et moi, qui avons cru dire des choses nouvelles, les activistes d'aujourd'hui, les personnels de musées d'aujourd'hui, les personnes qui, dans les pays africains, réclament à juste titre leur patrimoine, nous tous, nous croyons dire des choses nouvelles, et en réalité, presque tout, et pour être très plongé dans ces archives, je dirais même tout a déjà été dit, et souvent l'a été dit mieux que nous le disons aujourd'hui. Je passe au deuxième volet de cet exposé. Vous avez vu dans le premier volet, il s'agissait pour moi simplement de vous montrer l'étendue européenne et en fait mondiale du débat, puisque même les Américains et les Africains, évidemment, qui ont lancé le débat, observent ce qui se passe en Europe à ce moment-là. Maintenant, dans ce deuxième volet, je voudrais évoquer rapidement, beaucoup trop rapidement, les structures, les forces politiques qui sont en jeu à ce moment-là et les institutions qui font avancer la question. Quand vous regardez les archives, vous trouvez des documents qui viennent beaucoup des Nations Unies, de l'UNESCO notamment, donc de ces grandes institutions internationales qui dans les années 70 ont donné une voix très forte aux pays qu'on appelait alors les pays du tiers-monde, donc les jeunes nations décolonisées. Mais vous trouvez également dans ces archives des lettres venues d'Afrique, notamment du Nigeria et notamment d'un acteur très important qui s'appelle Ekpo Eyo, qui était un archéologue nigérian très reconnu qui a été dans les années 70 directeur du département fédéral des antiquités à Lagos et qui a très activement essayé d'obtenir au début même pas des restitutions mais quelques prêts à long terme pour enrichir, pour donner forme au nouveau musée que le Nigeria voulait créer. Vous trouvez des lettres comme celle-ci qui est encadrée en rouge pour montrer combien elle est importante, des différents ministères des différents pays européens. Ici, une lettre du ministère des Affaires intérieures allemande. Et puis, vous trouvez des correspondances venues des musées. Et quand vous lisez ces différents documents, quand vous les analysez, vous voyez qu'il y a des pics dans la discussion. Le premier grand pic, le premier grand moment intervient en 1973. Et il faut beaucoup insister sur le fait que ce n'est pas les Européens qui, les premiers, ont eu l'idée qu'il fallait parler de restitution, mais bien les pays africains. En 1973, le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, qui est ensuite devenu, ou qu'il était déjà d'ailleurs, un terrible dictateur, en tout cas, a tenu un discours extrêmement impressionnant à New York, aux Nations Unies, dans lequel un très long discours, qui était une attaque contre les attitudes néocoloniales de l'Occident. Mais dans ce discours, il comportait un passage sur la demande de restitution d'objets africains à l'Afrique. Donc, premier grand moment, ce discours du Zaïre aux Nations Unies.
Et puis on voit un second grand pic en 1976. Les archives sont très gonflées à ce moment-là, avec des débats à l'intérieur de l'UNESCO. Puis en 1978, avec l'intervention de Amadou Makhtar Mbo, directeur général de l'UNESCO à cette époque. Il est d'origine sénégalaise et il lance un appel très connu pour que reviennent à leur pays d'origine les œuvres qu'elles ont perdues. Donc ce sont des grands moments. Je vous montre peut-être les deux héros principaux. Je dis héros, mais ce n'est pas le bon terme. C'est les deux acteurs principaux et les plus énergiques de ces demandes de restitution des années 70. D'une part, Amadou Makhtar Mbo, directeur général de l'UNESCO, né en 1921 et qui est encore en vie aujourd'hui. Et d'autre part, je l'évoquais, Egbo Eyo, né en 1931 et mort en 2019, qui est nigérien. Donc, sous l'impulsion de ces deux hommes et d'institutions internationales, va se mettre en place toute une démarche de facilitation des restitutions, notamment par l'UNESCO, qui joue un rôle très important. Et vous voyez que tout ces débats des années 70 débouchent au début des années 80 sur la publication d'un formulaire type pour les demandes de retour ou de restitution, qui est un formulaire tout simple, une sorte de dépliant de 6 pages dans lequel les États pouvaient faire leur demande de restitution. On trouve ce formulaire aujourd'hui dans les archives de nombreux musées, un formulaire qu'on trouve souvent pas rempli puisque, comme on l'imagine, et comme tout a été oublié, de cette histoire-là, puisque nous sommes dans une grande amnésie de ce débat, ce formulaire n'a pas eu de suite très visible dans l'histoire des restitutions. En 1981, je vous le disais, à l'issue donc d'une dizaine d'années de débats, de démarches, de travail politique et diplomatique, on voit que certains États européens étaient tout prêts à opérer des restitutions. J'ai souvent évoqué ce rapport que nous avons trouvé avec Felwyn Sarr dans les archives, un rapport français de Pierre Cognam, daté de 1981-1982, dans lequel Pierre Cognam, qui était un ancien directeur du musée du Louvre et à l'époque inspecteur général des musées de France, considérait, après avoir travaillé sur la question, que lui et son équipe étaient favorables à la promotion du retour de biens culturels, comme il le disait. Donc, après avoir travaillé, il considérait qu'il fallait rendre ses œuvres d'art, avec comme argument que, bien compris et bien conduit, le retour de biens culturels est un acte de solidarité autant que d'équité. Vous voyez, c'est exactement ce que nous disons aujourd'hui. Et cela a été dit en 1982. Pour ma part, j'avais 10 ans, j'étais un enfant, j'allais à l'école. Et on a complètement oublié, y compris les institutions françaises, les ministères en France, ont oublié que ce rapport avait déjà, ou ce résultat avait déjà été obtenu dans les années 80. Ce n'est pas seulement le cas. En France, si vous regardez l'Allemagne, par exemple, et surtout l'Allemagne de l'Ouest, vous voyez qu'à cette époque-là aussi, notamment la ministre ou la responsable de la culture dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, une grande femme politique allemande qui s'appelle Hildegard Hamm-Brücher, qu'elle avait déjà annoncé elle-même en 1982 qu'elle voulait faire des restitutions au Togo et au Cameroun, les anciennes colonies allemandes. Elle disait à cette époque, il est très pensable, ça est durchaus denkbar, on peut très bien imaginer, dass aus Anlass des 100 Jahrestages der Unterschreibung, etc., je le lis en français, donc il est tout à fait imaginable que lorsque nous fêterons le centenaire de la conférence de Berlin, qui avait eu lieu, souvenez-vous, en 1884, donc elle dit en 1982, dans 2 ans, quand nous fêterons les 100 ans de la conférence de Berlin, nous pouvons très bien imaginer de restituer des œuvres aux anciennes colonies allemandes, le Togo et le Cameroun. Donc vous voyez, en France, en Allemagne, la classe politique et les spécialistes de musées, en tout cas en France et en Allemagne la classe politique, sont tout prêts, sont à 2 doigts de faire des restitutions. Et c'est pour ça que je compare souvent ce débat avec le travail qu'a fait Nathaniel Rich sur la crise climatique, puisque également, exactement à la même époque, aux États-Unis, on était à 2 doigts, comme il nous l'explique, de prendre les bonnes décisions pour le climat. Ici, on est à 2 doigts de prendre les bonnes décisions pour la question des restitutions. Alors, la grande question qui se pose, et c'est celle du titre de mon intervention, c'est pourquoi
ça a raté d'abord, et pourquoi on a oublié que ce débat avait eu lieu. Qui est responsable de cet oubli? Qui a mis une chape de plomb sur ce débat? Et aussi, autre question centrale, qui a empêché que les choses se fassent? Alors, quand on regarde de très près les archives de presse, mais surtout les archives des musées, on constate qu'en Angleterre et en Allemagne de l'Ouest, en tout cas, ce sont les musées qui empêchent les restitutions, qui les empêchent de manière très active, très stratégique et très systématique. Ici, simplement une coupure de presse du Times qui, de 1981 qui montre ou qui explique que probablement les musées britanniques ne seront jamais d'accord pour publier les inventaires de leurs collections. Mais ce que je voudrais surtout évoquer avec vous, c'est un document qui me paraît d'une importance cruciale pour la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2020. C'est un document que les musées allemands ont écrit entre eux en 1978, en fait, à la fin de l'année 1978. Un document secret, vous voyez ici, fait à Traulich, confidentiel, par lequel il mettait au point une stratégie pour empêcher non seulement les restitutions, mais aussi le débat sur les restitutions. Je vous montre trois extraits simplement de ce document qui me paraît extrêmement important. Il considère d'abord qu'il ne faut pas parler de restitution, que le mot restitution doit être sorti du vocabulaire. On voit écrit ici, il faut absolument empêcher l'utilisation du terme restitution, en allemand avec un terme militaire, der Begriff Restitution muss abgewehrt werden, Abwehr, vous connaissez, Reichswehr, Wehrmacht, abgewehrt, ça veut dire qu'il faut lutter contre par des moyens très, très fermes, en fait. Donc il faut rejeter le terme de restitution, le abwehren, se défendre contre lui. Sinon, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une obligation morale à rendre. Et les musées allemands ne veulent absolument pas donner l'impression qu'ils ont une obligation morale. Donc, il y a un événement historique qui fait qu'il serait une bonne chose qu'ils restituent. Et ils expliquent, ou ils proposent, à la place du terme de restitution, qu'on utilise le terme de transfert. Vous reconnaissez les débats actuels ou à la place du terme de restitution, on aime utiliser celui de circulation, par exemple. La restitution, c'est un terme qui a une dimension historique. On restitue parce que quelque chose a été mal acquis, on le rend pour des raisons de justice historique, restitution. Donc c'est un terme qui, en lui-même, a une dimension historique, tandis que le terme de transfert ou circulation n'a évidemment aucune dimension historique, il a simplement une dimension géographique et il fait oublier que ces collections ont un passé lourd. Autre passage de ce document, je vous en montre simplement trois et nous arrêterons là, il s'agit de la question des émotions. Vous voyez, troisième point, émotionnalité. Alors ici, les musées allemands nous disent que le sujet des restitutions, les questions du patrimoine, sont des questions émotionnelles, et que le public, le grand public, la société civile, exerce une pression très forte parce qu'elle est émotionnelle sur ces questions. Or, et donc, les musées suggèrent qu'il faut faire très attention à ne pas laisser monter les émotions et qu'il faut, au contraire, toujours, dès que le sujet des restitutions apparaît, se remettre sur le terrain juridique, sur le terrain considéré comme non émotionnel, d'ailleurs, on pourrait en discuter, du droit. Alors là encore, on voit bien que, évidemment, que la question des œuvres d'art, la question du patrimoine, la question du passé artistique, du passé religieux, de la spiritualité encapsulée dans ces objets, on voit bien que c'est une question émotionnelle. C'est évidemment ce qui fait nous des êtres humains que nous choyons dans ces objets d'art. Évidemment que c'est émotionnel. Mais ici, on sent que l'émotionnalité va devenir une accusation contre ceux qui souhaitent des restitutions. On entendra souvent dire, et je l'ai entendu pour moi-même, « Oh, arrête avec ce sujet, tu prends tout avec beaucoup trop d'émotion, tu parles de manière trop émotionnelle. » Il faut être émotionnel sur ces questions. Émotionnel ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi, mais il faut toujours rappeler que ces objets ne sont pas des objets manufacturés, qu'on achète, etc. Ils portent la culture
des peuples, des nations, des régions, des familles, et bien sûr que des émotions humaines y sont liées. Donc là encore, les musées sentaient bien qu'il fallait éviter ça, et je pense qu'au contraire, il faut rappeler toujours que les œuvres d'art et les musées sont des lieux d'émotion. Dernier point, celui des inventaires et des listes, de la transparence des collections en Allemagne. Ici, vous voyez qu'il y a une rubrique qui s'intitule « Objektverzeichnisse », les inventaires d'objets, et les musées se disent entre eux qu'il faut absolument empêcher la publication de telles listes. « Vor der Herstellung solcher Listen wird sowohl von Seiten unserer Völkerkundemuseen als auch der Kulturverwaltung gewarnt. » Donc, on vous met en garde, on se met en garde nous-mêmes, disent les musées, contre la publication de telles listes, parce qu'avec de telles listes, on pourrait réveiller des envies. « So würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt. » Ce que ça veut dire ici, c'est que les pays africains, les pays spoliés, plus généralement, pas seulement sur le continent africain, s'ils savaient ce que nous avons dans nos collections européennes, pourraient avoir encore plus envie de le récupérer. Et donc les musées allemands, à ce moment-là, dans les années 70, à la fin des années 70, décident de ne plus publier d'inventaire. C'est extrêmement intéressant ce point-là, et on pourra en discuter ensuite, puisque au début des années 80, comme vous le savez, c'est la période où l'Europe s'équipe d'ordinateurs et commence à travailler sur les inventaires informatisés. Et tout cela, l'Allemagne ne le fera pas, d'autres pays le font. On a des inventaires informatisés en Suisse, en France, finalement en Grande-Bretagne, mais les Allemands vont empêcher totalement cette évolution, si bien qu'aujourd'hui, on a un très grand retard dans ces inventaires. Et quand on réclame aujourd'hui la transparence des inventaires, les musées continuent de résister beaucoup. Donc, j'en arrive finalement à une observation d'ensemble, globale, sur ce que je voulais dire et ce que j'aimerais discuter avec vous, sur notre avenir en quelque sorte. Cette année, j'ai mis ici 2021 parce que l'année 2020 est tellement compliquée qu'on peut espérer que les choses reprendront en 2021. Ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord et avant tout, et avec beaucoup d'insistance, parler de restitution. On a vu comment l'une des raisons pour lesquelles les démarches des années 80, 70, 80 ont échoué, c'est qu'on a souvent essayé de substituer, d'effacer le mot de restitution et donc d'effacer l'histoire. En n'utilisant pas ce mot-là, on efface l'histoire des collections, on fait comme si les objets étaient arrivés, on ne sait quand, en hélicoptère, dans les musées, et on oublie la dimension problématique de leur provenance. Donc, pour l'avenir, il faut absolument et toujours et faire bien attention à utiliser le bon terme et à ne pas le laisser remplacer par d'autres logiques qui seraient des logiques de circulation, par exemple. Ça ne veut pas dire que les œuvres d'art, une fois que leur restitution sera acquise, ne doivent pas circuler, au contraire. Mais la restitution, donc la reconnaissance et la transparence historique sur ces collections venus des anciens pays colonisés en Europe, cette transparence doit être faite totalement et y compris au niveau du langage. Ensuite, je crois qu'il faut beaucoup insister et ne pas se laisser intimider lorsqu'on entend dire que le sujet charrie trop d'émotions. C'est évidemment un sujet qui charrie des émotions, et à juste titre. Et pour le redire, comme cela a été beaucoup dit dans les années 70, après les décolonisations, au moment des indépendances, les pays africains, en tout cas, ceux dont je connais les débats un peu mieux, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté sur la nécessité de se reconnecter avec leur histoire matérielle, notamment, donc avec leur patrimoine matériel, pour aussi retrouver le terme n'est pas exactement le bon, mais une identité, un équilibre culturel qu'ils avaient perdu pendant la période coloniale. Donc il s'agit à la fois d'émotions négatives, celles qui sont liées à la période coloniale, au moment où de nombreux pays, de nombreux peuples, de nombreuses régions, familles, etc., communautés ont été coupées de leurs propres traditions, ont été
auxquels on a interdit de manière sélective de parler parfois leur langue, de continuer leur culte, de maintenir leur système politique, etc. Donc, émotion négative et émotion positive à l'idée de récupérer au moins le souvenir d'anciennes structures. Donc, oui, ces sujets sont des sujets émotionnels et il faut les traiter aussi ainsi, d'autant que nos musées en Europe sont aussi des lieux qui prétendent ou qui réussissent à fabriquer des émotions. Et puis, dernier point qui me paraît absolument central pour le débat, et en particulier dans le contexte allemand, où c'est extrêmement difficile à obtenir, la transparence sur les collections doit d'urgence devenir totale. Il faut absolument que tous les pays d'Europe fassent part de manière proactive de la nature de leurs collections et les partagent avec tous les moyens possibles avec les pays dits d'origine, les pays ou les régions qui ont été spoliés de ces biens. Parce que dans un grand nombre de ces pays, on ne sait pas, on ne sait toujours pas, les sociétés civiles ne savent pas, ne peuvent pas savoir, n'ont pas accès à cette information. C'est le cas en Afrique. Donc on ne sait pas qui se trouve précisément à Stuttgart, à Hambourg, à Vienne, au Havre, à Bordeaux, à Paris ou à Liverpool. On le sait peu, on le sait mal ou on ne le sait pas du tout. Mais dans le même ordre d'idées, nos jeunes générations ici en Europe ne savent pas non plus qu'au cœur de nos villes, à Berlin et dans les villes que j'évoquais, à Londres, etc., les dépôts des musées sont pleins de centaines de milliers d'œuvres qui ne sont venues des anciennes colonies, qui ne sont pas exposées et qui ont une sorte de vie invisible, mais qui évidemment travaille sur nos sociétés, sur nos vies et qui prolonge des structures, même s'ils sont invisibles, ils sont là sous nos pieds ou derrière nos murs, et prolonge des structures qui ne sont plus viables pour la continuation de nos sociétés et d'une relation équitable et pacifique avec les anciennes colonies. Voilà. Je vois en regardant l'heure que j'ai parlé trop vite et que par conséquent, je suis un peu en avance sur l'horaire, mais je vais néanmoins déconnecter ma présentation et je crois que nous nous retrouvons pour un panel de discussion à 12h. Je vous remercie.